En manchette aujourd'hui, la MRC de Dautré, finaliste pour un prix d'excellence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 octobre 2024. On débute cependant en vous mentionnant que la traverserelle Tracy-Saint-Ignace de Loyola a été confronté à des problèmes techniques ce matin, entraînant l'annulation des traversées jusqu'à 14 heures cet après-midi. Depuis plusieurs jours, on le rappelle, le service est assuré par un seul traversier au lieu des deux bateaux habituels. Donc, on en saura sûrement un peu plus tard sur les problèmes survenus avec le seul traversier qui fait la navette entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel-Tracy. Le Centre d'action bénévole d'Autré est en campagne de socio-financement. CTRB a rencontré Julie Morin, responsable des communications. Elle nous parle de la campagne de financement du CABA qui se déroule jusqu'au 15 novembre prochain et des besoins que cette campagne cherche à combler. On l'écoute. Tu viens de nous reparler, on a eu le lancement au mois de septembre, mais c'est jusqu'au mois de novembre qu'il y a la fameuse campagne de sociofinancement du Québec. La 26e. 26e, c'est beaucoup. Ça fait pas 26 que tu fais, mais ça fait 26. Non, ça fait 14. Ça fait 14, c'est quand. Tu as quand même d'expérience. Oui. Cette année, Julie, il y a un thème. C'est quoi le thème de la campagne? C'est un thème qui est très significatif. C'est « En équipe dans la communauté, on s'occupe de nos aînés oh. ». Je dis que c'est significatif parce qu'avec les années, on a des partenaires qui sont avec nous, qui sont impliqués depuis longtemps. Puis c'est vraiment un travail d'équipe au niveau des partenaires d'affaires, les partenaires de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un travail d'équipe. On peut parler que vous êtes une équipe aussi que vous avez au Québec. On parle quoi de 15 employés, 14 employés? Non, on est rendu à plusieurs employés. On est rendu à 19 employés. Il y en a qui sont sur programme. Oui, mais n'empêche que c'est une équipe de 19. Ça a augmenté avec la cuisine, la popote roulante, qui ça a augmenté beaucoup au niveau des employés, au niveau du nombre de repas qui est produit aussi. Donc, l'équipe est en développement, l'organisme est en développement. Il y a beaucoup de choses qui se font, des nouvelles choses. C'est très stimulant. C'est pour ça qu'on a besoin de fonds, d'argent, de la communauté. Tu sais, il faut le dire, c'est ça, je veux dire, pour participer puis pour voir qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de services gratuits. Tu sais, tu as la popote qui est à peu près, vous allez dire, à coup nul dans le sens que, mais tu sais, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de... Des services gratuits ou des services au coût le plus bas possible, en fait, pour aider la communauté. Par contre, il y a des activités, si on parle des sorties, que c'est moins des services essentiels. Donc là, on charge toujours un petit peu plus cher, mais c'est pas pour faire du profit. C'est toujours pour rendre ça quand même abordable. Puis ce but-là, bien, le but-là de ces activités-là, quand tu me parles des sorties, bien, c'est aussi sortir de l'isolement des aînés. C'est toujours ça. Mais on parle d'aînés, mais tu sais, il y a des aînés actifs qui sont tout seuls à la maison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seuls maintenant. Parce que donc, si c'est une grosse mission, c'est un gros impact que vous avez dans le coin. Bien, comme si il y a toujours deux volets. Le volet service en soutien à domicile, quand on parle d'accompagnement transport, la popote roulante, les visites d'amitié, les impôts, tout ça. Les nouveaux systèmes, les nouveaux problèmes, les nouveaux informatiques, sécuritaires. C'est tous des services pour aider les gens à rester à domicile avec tous les services. Puis l'autre volet qu'on travaille beaucoup aussi à l'organisme, c'est les activités de socialisation, de prévention de socialisation, en fait. Donc là, on parle de la mise en forme, les sorties, les randonnées, le programme d'équilibre, c'est ça, la prévention des chutes. On va en avoir un nouveau aussi, Vivre en équilibre, qui est surtout sur la peur de tomber. C'est plus au niveau du psychologique. Ah, donc, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est à part les conférences en information, parce que souvent, tu as fait des choses avec la CEF. Tu as parlé avec la CEF, avec d'autres intervenants. Souvent, il y a des gens du gouvernement là, qui viennent parler. Oui, à l'occasion, on a des impôts, on a les petites vues. Il y a les conférences culturelles sur l'histoire aussi avec M. Boudreau. Il y a le jus de poche, les dîners communautaires, il y a plein de choses. Si vous ne voulez pas rester tout seul, là. Puis c'est un service essentiel. Tu sais, je te dirais, c'est rendu que si quelqu'un ne connaît pas le CABA, mais aujourd'hui, ils vont le savoir encore plus. Mais
c'est vraiment essentiel. Là, tu vois, vous répondez vraiment à des besoins. Je veux dire, bien, vous aimeriez ça en répondre encore plus de besoins, avoir plus de personnel. Bien, en fait, souvent, des fois, c'est le manque de ressources humaines, le personnel qui est manquant, et aussi les bénévoles. Parce que les bénévoles, en fait, c'est eux qui offrent les services pour l'accompagnement transport, ils nous aident à la popote, ils nous aident à faire des appels. Dans le fond, nous, l'équipe d'employés, on coordonne les services, mais les services sont essentiellement donnés par les bénévoles. Donc, c'est sûr que nous, on en a toujours besoin. Donc, les gens ont reçu beaucoup, ça fait quand même beaucoup d'envois, un envoi massif, comme on dirait, c'est le cas de dire, dans les boîtes à mal. Oui, c'est ça. En fait, c'est environ 17 000 enveloppes qui ont été envoyées sur notre territoire. C'est le centre et le sud de la MRC d'Autry. On couvre 9 municipalités. Si tu me permets, Daniel, je vais le dire rapidement. Donc, Berthierville, La Norette, la Visitation de l'Île-du-Port, la Valtrie, Saint-Barthélemy, Saint-Cubert, Saint-Ignace-de-Loyola, Sainte-Élisabeth ou Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est beaucoup, là. Oui. Là, je vais faire une précision. Vas-y. J'ai su que si jamais à la poste, vous n'avez pas reçu votre enveloppe et vous voulez faire un don, c'est probablement parce que vous ne recevez plus de circulaire. Si vous ne voulez pas avoir de circulaire, vous n'aurez pas la lettre de sollicitation. Oh. Ça, c'est ce qu'on a su. Et puis, si vous ne videz pas votre boîte aux lettres, parce que là, maintenant, les publics sacs sont dans les boîtes aux lettres. Donc, si vous n'allez pas régulièrement à la poste, il n'y a plus de place, l'enveloppe ne passera pas dedans. Ah oui! Donc, est-ce qu'ils vous les retournent dans ce temps-là ou vous perdez tout ce... À Berthierville, ils sont très, très gentils, nous les ont gardés. Donc, les autres bureaux de poste, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que si vous n'avez pas votre enveloppe, vous pouvez toujours vous en procurer au Jean Coutu Berthierville, Jean Coutu de la Valtrie. Sinon, venez au CABA, contactez-nous, on va trouver une façon de vous faire acheminer. Je comprends, c'est quelque chose. Le document, en fait, la lettre, ça, c'est l'enveloppe retour. Puis dans cet envoi-là, vous avez la fameuse lettre qui est présente et la présentation des services avec le dépliant ici, avec notre président d'honneur, qui est M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautry. M. Fortier s'implique à titre de président d'honneur depuis 3 ans. C'est la 3e année, mais la Caisse est impliquée avec le CABA depuis vraiment longtemps. Et je vais vous dire, ça a été fait par toutes des bénévoles. Hein? Il y a eu une corvée que... Si vous avez poursuivi votre... 17 000. 17 000, c'est quelque chose... Pliage. Et puis, mis dans l'enveloppe avec le dépliant. Donc, c'est quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail d'équipe avec les bénévoles aussi. On a besoin d'eux, puis ils sont vraiment essentiels à notre organisme. Ça fait maintenant quelques années, mais c'est assez particulier, l'impact que peut avoir notre don. Moi, je pense que c'est important de le dire. Parce que c'était comme une surprise, je me souviens. C'est pas avec M. Fortier, ça a commencé. Daniel Blais, directeur. Tu te souviens, Daniel Blais, il s'installe. Moi, je me souviens très bien. Il y a la conférence de presse du CABA. Il dit, allez porter vos dons. Puis là, il dit, en plus, cette année, quand vous allez donner de l'argent, on va doubler le don. Oui. C'est un petit peu ça qui s'est passé. En fait, ça a été discuté avec leur conseil d'administration. Oui. C'est une proposition de la Caisse qui dure depuis des années. On est vraiment, vraiment c'est chanceux. Privilégié. Puis là, on a signé une entente de 3 ans cette année encore avec la Caisse pour poursuivre. On va doubler les dons encore pendant 3 autres années avec Desjardins. Mais qu'est-ce que je veux en venir, c'est que suite à cette présentation-là, M. Chartier, dans le temps, Mme Paquet, qui sont fiers, qui sont combattants, ils sont regardés, puis ils ont même décidé sur le coup en disant, ben nous autres aussi, oui, on va le faire. Puis c'était pas quelque chose qui était comme prévu. C'était pas prévu. Mais ça représente quand même beaucoup de sous. C'est énorme. Parce que c'est ça, il faut expliquer, là, tu donnes, je vais mettre un beau chiffre, là, tu donnes 100 $, tu dis tes membres Desjardins, donc Desjardins redouble, ça fait un 200 $, c'est assez particulier. Mais là, si tu vas le porter au Jean Coutu, à la Valtrie ou à Berthierville, eux autres, ils prennent des enveloppes, puis ils doublent, ils remettent encore le même montant jusqu'à concurrence de 5 000. Hein? Oui, c'est bien ça, pharmacie. Par pharmacie. Oui. Que c'est important, là, je veux dire. C'est certain. Parce que dans le fond, quand on dit vos dons vont être doublés ou triplés, dépendamment, si vous êtes juste membre Desjardins puis que vous nous l'envoyez par la poste, votre don va être doublé. Dans le fond, votre 100 $ va rapporter un autre 100 $ par Desjardins. Mais comme on expliquait, si vous n'êtes pas membre de Desjardins, c'est pas grave, vous pouvez faire votre don quand même. Puis là, vous dites, ben moi, je vais aller le porter chez Jean Coutu, au moins mon don va être doublé. Fait que Jean Coutu va donner le même montant. Puis si jamais
vous n'êtes pas membre des jardins, puis vous ne pouvez pas aller le porter chez Jean Coutu, c'est pas grave. On le prend pareil. On le prend pareil. Donc, votre don de 100 $ va rapporter 100 $ c'est tout à fait acceptable. Non, c'est ça. Mais c'est quand même un incitatif, oui. c'est quand même des beaux partenariats. Tu sais, quand tu dis en équipe, ah oui, c'est vraiment je regarde vraiment aller M. Fortier, puis aller Germain, puis aller regarder. Et là, c'est un nouveau, là, M. Oui, mais écoutez, en fait, M. Germain Chartier, ça fait 14 ans qu'il est impliqué avec le Calvaire. Donc, 14 ans, on n'a jamais eu des présidents d'honneur qui se sont impliqués aussi longtemps. T'sais. Donc, M. Chartier a la palme. Mme Hélène Paquette, qui a pris sa retraite cette année, mais qui est encore impliquée avec nous, elle a resté 12 ans avec le CABA. Mais elle a donné le relais. Elle a passé le flambeau lors de la conférence de presse aux deux nouveaux propriétaires de la pharmacie Jean Coutu. Donc, lui, elle, c'était une mission qui lui tenait tellement à cœur qu'elle a décidé de passer le flambeau. Donc, les nouveaux propriétaires de la Valetrie, Christian Bonilla Bautista. Tu étais meilleure que moi. J'ai pratiqué pas mal. Puis M. Adèle Fawal. Donc, deux jeunes, mais très impliqués dans la cause, déjà partant, qui sont guidés par Hélène Paquette, qui est toujours dans le portrait parce qu'elle a dit en conférence de presse, vous ne débarrasserez pas de moi comme ça. Donc, elle communique encore avec nous pour nous aider, tout ça. Donc, tout ce travail d'équipe-là fait en sorte que les gens essaient d'amasser des dons pour le CABA, en fait, pour... justement, qu'on puisse poursuivre notre mission, parce que les besoins sont tellement grands, la vie coûte cher, puis on essaie de sortir les gens de l'isolement. Vous avez passé à travers la pandémie, on est arrivé à travers tout, parce qu'elle va rester... Je sais qu'il y a comme un objectif de 60 000 $ mais ça, c'est un vœu. C'est qu'est-ce qu'on veut, mais il faut dépasser, là. Bien, c'est sûr qu'on le souhaite toujours de le dépasser. On ne prend jamais rien pour acquis, parce que les dernières années, on a eu des très bons montants. On était à 100 000, 110 000, parfois 115 000. On ne peut jamais prendre pour acquis que les gens vont donner. On a beaucoup de partenaires extérieurs aussi qui proviennent des contacts des pharmaciens. Ça nous aide beaucoup aussi. La population est très généreuse. Mais il faut quand même le spécifier. Au bout de la ligne en bas, quand le CABA fait ses états financiers, il n'y a pas 100 000 qui est là. C'est dans le fond de 100 000 que vous savez les dépenser, que vous en avez besoin. Puis au fil des années, ce n'est pas évident de balancer le budget. Il y a beaucoup de frais, là, puis parce que juste avec la popote roulante, on est déficitaire. Parce que le repas de la popote, ça coûte 7 $ Il est livré à Saint-Barthélemy, à Sainte-Élisabeth, ça coûte 7 $ Connaissez-vous un repas, une soupe, puis un repas principal qui est livré chez vous pour 7 $ j'en connais pas. C'est fait maison. Avec des produits frais. Il y avait des produits frais. C'est vraiment goûteux. C'est pas, tu sais, non, c'est vraiment... Donc, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pour ça, parce que dans notre mission d'offrir des produits le plus accessible possible à la population, bien, c'est pour ça qu'on a besoin. Le gouvernement nous donne des subventions, mais ça ne compte pas. Parce que si on n'avait pas d'argent de la communauté ou de nos partenaires, il y aurait beaucoup de coupures de services, malheureusement, puis on essaie le moins possible d'en faire. Et même l'accompagnement de transport, ben, quand on n'a pas des bénévoles, des fois, pour aller faire du local, ben, c'est les employés qui y vont. D'ailleurs, j'ai ma belle veste ici. Bénévolée, ça fait tellement de bien. C'est bien. Donc, c'est ça. Que, voilà. On rappelle que c'est jusqu'au 15 novembre pour profiter des promotions 3 pour 1. Pour les deux. Oui, c'est ça. Mais que vous prenez les dons à l'année, mais là, c'est vraiment... l'impact là, important que vous faites à l'autre. Exact. Là, je veux juste mentionner, en fait, la procédure, c'est ça, vous complétez votre formulaire ici, il est détachable, puis vous le mettez avec votre don dans l'enveloppe. Parfait. Desjardins ne prend pas les dons. On peut juste cocher si on est membre Desjardins, mais n'allez pas porter votre enveloppe chez Desjardins. C'est soit au CABA ou chez Jean Coutu, si vous êtes capable. Puis ici, si vous scannez avec votre téléphone, le code QR, les spécialistes, vous allez tomber sur le site Internet. Puis si jamais vous ne comprenez pas, puis vous avez des questions, appelez au CABA, on va vous aider. Bon, bien, je te remercie, Julie. Merci, Daniel. On suit ça avec impatience, avec intérêt, cette campagne. Merci beaucoup jusqu'au 15 novembre. C'est ça. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville,
le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 15 octobre, la FEDOC de l'Île-du-Port. Souhaite bonne fête à Suzy Bergeron, à Thérèse Thibault, à Marcel Sylvestre et au maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthes. C'est votre anniversaire aujourd'hui en ce 15 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le CREPO, soit le Centre régional d'animation du patrimoine oral, présente le film « Tous les matins », mettant en vedette Marcel Sabourin. Donc, c'est mercredi, demain, 16 octobre, que sera présenté ce film, en présence de Jérôme Sabourin, réalisateur, et de Marcel Sabourin, comédien et protagoniste du film. En résumé, « Tous les matins », Marcel se confie à son magnétophone. C'est à partir de ses réflexions sur la vie que ce film nous entraîne dans les sillages de son histoire. Ce portrait-essai est un regard à la fois intime et social sur un homme libre d'esprit et de mots. On écoute, on regarde la bande-annonce. L'éternité, vous savez ce que c'est? L'éternité, vous savez pas ce que c'est? Hey! Il y a de la lumière, t'as-tu vu? Hey, t'as des petites pochettes. Oh, hey! Oh, je me sens revivre. Qui le dirait? Ça, c'est la parole fatidique pour un mort. Dois-je jamais dire? Je me sens revivre. Parce que si il dit ça, là, le mort, il est fini, il vit. Ah, oh, putain, il faut qu'il recommence. Imaginez la plus haute montagne. Imaginez le plus petit oiseau, gros comme une mouche, quasiment. Une fois tous les 1000 ans, le petit oiseau ira becquer la plus haute montagne. Une fois tous les 1000 ans, là. Eh bien, quand la montagne aura été ramenée à ras du sol... Mes pauvres enfants, si vous êtes en enfer, l'éternité n'aura pas encore commencé. Les billets sont en vente sur place. En paiement comptant seulement et les places sont garanties au coût de 10 $. Le CREPO est situé au 4680 rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Donc, le 9 octobre dernier se tenait la séance mensuelle des maires de la MRC de Dautré. Au cours des prochains jours, nous ferons un petit tour d'horizon de cette séance des maires mensuelle. On débute cependant par une bonne nouvelle. La MRC de Dautré est finaliste à un prix d'excellence de l'administration publique, de quoi rendre fiers les élus. On écoute la mention du préfet, M. Goulet, en début de séance. Pour faire une petite mention, c'est la mention de félicitations pour la MRC de Dautré, qui, en fin de compte, est finaliste au prix d'excellence de l'Institut administratif, de l'administration, excusez, publique du Québec. On est finaliste. Ça, c'est pour notre projet d'Autré branché.
Donc, c'est de l'administration publique. Donc, on avait été mis en nomination, mais là, on est finaliste. Quand même, très bonne nouvelle. Donc, on dit que c'est un beau projet bien mené. Les maires ont aussi donné leur appui à la municipalité de Saint-Norbert pour un projet de communauté nourricière. On écoute le préfet, M. Christian Goulet, et la mairesse de Saint-Norbert, donc Sonia Desjardins. 4-2, appui à la municipalité de Saint-Norbert, donc c'est un appui qui nous a été demandé par Saint-Norbert pour le projet de communauté nourricière. Mais ça serait quand même intéressant de l'expliquer c'était quoi, un petit peu pour les gens. En fait, c'est le développement d'une communauté nourricière à Saint-Norbert, c'est un peu pour consolider notre offre nourricière, en fait, tous nos marchés de proximité pour voir qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui pourrait être ajouté pour qu'il y ait une meilleure offre et une meilleure croissance, finalement. Le souhait de Saint-Norbert, c'est que ça soit le projet pilote de la MRC, et qu'ensuite, on puisse étendre ce projet-là à la MRC au complet. Très bien. C'est une demande de subvention de ma PAC. Donc, proposé par Mme Desjardins, puis par M. Turcot, à ma gauche, à droite. 4-3. Nous aurons d'autres nouvelles concernant la MRC de Dautré dans nos prochains bulletins. Sur ce, on passe à la pause. Son domicile le 24 septembre dernier à 88 ans est décédée Mme Agnès Courchêne, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, Marc Courchêne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 octobre dès midi au salon funéraire Eftério situé au 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 h. Mme Agnès Courchêne-Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 août à 84 ans, est décédée Mme Lorraine Goulet, fille de feu Paul Goulet et de feu Lydiana Adam, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Sainte-Élisabeth. Lui a précédé Noëlla, Yesti, Aurel, Marcel, Janine, Bertrande, Jacques, André. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Cécile Maheu, feu Jacques Goulet, sa grande amie et complice musicale Marielle Sylvestre, que Lorraine a accompagnée lors d'animations liturgiques pendant 42 ans à l'église de Sainte-Élisabeth et ailleurs, incluant 35 ans pour les sœurs de la Providence lors d'anniversaires de vie religieuse. En plus de tous ses amis de l'équipe de la pastorale de Sainte-Élisabeth. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont rendu de nombreux services à Lorraine, Janine, Marcel, et une mention spéciale est adressée à M. Rosaire Gagnon. La famille vous accueillera samedi 19 octobre, 14 h 30, en l'église de Saint-Félix de Valois. Suivront les funérailles à 15 h 30. Mme Lorraine Goulet sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 octobre dernier, à 74 ans, est décédé M. Gélénaud, fils de feu Gabriel Hénaud, de feu Eva Goulet, demeurant à Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé, Marielle Hénaud, feu Gilles Massé, Carmen Hénaud, feu Yves Carpentier, Agathe Hénaud, feu André Raymond et Sylva Hénaud. Il laisse dans le deuil ses frères Réjean Hénaud, André Hénaud, Janine Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 octobre dès midi au complexe funéraire Eftério situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30.
M. Gélineau sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 30 septembre dernier, à 78 ans, est décédé M. Pierre Brisebois, époux de Michel Savard, demeurant à Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Virginie Brisebois, Philippe Bouvier, Christine Brisebois, Benjamin Cartier, son beau-fils Marc-André Pelletier, ses petits-enfants, Florence, Juliette et Alexandre Côté, Lucas Rimondi, Éline Martinez, Alexandra Rimondi, son arrière-petite-fille Adriana Rimondi Martinez, ses frères et sa sœur Robert, Daniel et leur conjointe, Francine et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 octobre, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage directement au salon à 15h. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant Terrebonne, autrefois de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rose Cousineau et ses enfants, Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut, ses petits-enfants, Jimmy, Alex, Chanel, Samuel, Noémie et William Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ses arrière-petits-enfants, Olivier et Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma, Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Jeannine Hainaut, feu Gérard Baudet, feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guilmette, feu Père Roc, Marie Denis Savard, feu Thérèse Savard, feu Luc Savignac, Pierrette Olivier, feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau, Gaétan Savignac, Yolande Arnois, feu Constant Savignac, Françoise Chaput, feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 octobre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 4. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de 0, un temps ressenti de moins 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.